Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui reviendra tous les semestres. Le concept est simple, il est dans le titre. On fait des bilans à la mi-saison et à la fin de la saison des joueurs qui sont actuellement prêtés par le Stade Rennais. Et juste avant que la vidéo commence, revenons sur la dernière vidéo, sur les anecdotes et donc la deuxième anecdote et la fausse. Cette histoire de boîte de nuit avec Tomer et Wiltord est le fruit de mon imagination. Et sinon, les deux autres sont vrais. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à aller voir la vidéo que je dois mettre là ou là, je sais plus, où je fais donc ce petit concept des anecdotes. Voilà pour cette intro. Bonne vidéo à tous. Commençons par celui qui a le plus joué dans ce début de saison, c'est Jérémy Gélin avec le Royal Antwerp. Le formé à Rennes avait rejoint le club belge en fin de mercato sous forme d'un prêt sans option d'achat. À son arrivée chez les grands anciens, surnom du club car créé en 1880, Jérémy est directement titulaire dans la défense à 3 du coach croate Ivan Leko. Son sens de la passe avec dans ce début de saison 85% de passes réussies et sa bonne anticipation complète bien avec les deux autres défenseurs en charnière qui sont on va dire plutôt rugueux. En tout, il joue 10 matchs toutes compétitions confondues. Il sera notamment récompensé en Europa League en faisant partie de l'équipe de la semaine lors de la deuxième journée. Mais il va aussi rater une partie du mois de novembre à cause d'une petite blessure. En plus des bonnes performances de notre Rennais, le Royal Antwerp réalise une bonne saison. Actuellement 7e en Jupiler Pro League, le championnat belge, mais à un point de la 4e place. Mais surtout, ils font un super parcours en Europa League. 25 ans après leur dernière participation, ils sortent 2e de leur groupe, composé du club bulgare de Ludogorets, des Autrichiens de l'ASK et surtout du Tottenham, du Special One. D'ailleurs, les Belges s'offriront les Spurs chez eux 1-0. Et petite info, ils affronteront les Rangers de Steven Gerrard en 16e de finale. Ce prêt a donc l'air de très bien se passer pour Jérémy Gélin, qui déjà évolue dans une équipe qui tient la route sportivement. En allant là-bas, je ne sais pas s'il pensait affronter Kane et Son, sans doute le meilleur duo actuel dans le foot. De plus, il semble avoir trouvé un système qui lui convient. Un peu plus bas dans cette défense à 3, il peut compenser sa lenteur avec un bon sens de l'anticipation et peut montrer toute sa qualité de passe. Le deuxième Rennais dont on va parler, c'est Jordan Sibatcheu. Le Français est prêté avec option d'achat en Suisse au Young Boys Berne. Là-bas, il a connu un début de saison difficile avec les derniers champions de Suisse. 3e dans la hiérarchie des attaquants, il rentre seulement en fin de match et grappille du temps de jeu comme ça sur à peu près 14 matchs. Mais l'entraîneur finit par voir son travail et Sibatcheu finit l'année en beauté avec 4 titularisations. Et sur ces 4 titularisations, des stats absolument monstrueuses. 2 passes D et 2 doublés, un face à Lugano et le dernier en date face à Saint-Gallen. Le Rennais est renommé Sibat2 par les supporters et les médias locaux. Et grâce à ses bonnes perfs récentes, PFOC marque des points. De plus, son profil atypique rappelle la légende du club, Guillaume Hoarau, un autre Français qui avait aussi beaucoup marqué le club suisse, en espérant que Jordan continue de trouver du temps de jeu. Dans le 4-4-2 de Gerardo Seoane, le coach hispano-suisse du Young Boys. À part ça, ça se passe d'ailleurs très bien pour le club. Actuellement premier du championnat de Suisse, ils se sont aussi qualifiés en 16e de finale d'Europa League. Et un gros défi les attend face au Bayer Leverkusen. L'autre Rennais qui a joué pas mal de matchs, c'est Sacha Bouey. Prêté après son début de saison difficile avec le Stade Rennais, le défenseur droit a donc rejoint Dijon pour poursuivre sa formation et trouver du temps de jeu dans l'arrière-garde dijonnaise. Et du temps de jeu, il en trouve avec 16 matchs en tant que titulaire sur le flanc droit de la défense. Sa vitesse et sa qualité technique apportent à Dijon sur ce côté droit, mais il est un peu moins solide défensivement et doit encore s'aguerrir, notamment sur son placement défensif. À l'image du but de Monaco face à Dijon, où il est un peu loin de Ben Yedder. Et j'ai vu pas mal de commentaires et j'ai demandé aussi aux supporters dijonnais ce qu'ils en pensaient. Et il doit aussi trouver un peu plus de régularité
dans ses prestations, mais c'est plutôt prometteur. Mais malheureusement, le début de saison de Dijon est très difficile. Actuel dernier avec seulement 2 victoires. En espérant que Bouey continue de jouer et prennent de l'expérience dans cette saison un peu galère. Un autre défenseur rennais a été prêté en Ligue 1, c'est Lilian Brassier, le défenseur centre de 21 ans, a rejoint le Finistère, et plus précisément le club de Brest, en fin de mercato. Là-bas, il subit une grosse concurrence, 4e dans la hiérarchie des défenseurs centres, derrière Erel, Duverne et Chardonnay. Il a joué seulement un match face à Saint-Etienne, où il a été plutôt bon. Joueur solide avec une bonne relance, il a le défi dans cette deuxième partie de saison de convaincre Daloglio de l'aligner en défense centrale ou sinon au poste de défenseur gauche. On sait qu'il jouait là-bas avec Valenciennes. D'ailleurs, en parlant du VAFC, Metehan Gouchelou est le seul joueur à être prêté en Ligue 2 et donc à Valenciennes. Malgré un début de saison coupé par une légère blessure, Metehan s'impose rapidement comme l'attaquant polyvalent remplaçant. Il entre en fin de match, soit buteur ou sur les ailes. Pour l'instant, il n'a fait qu'une stat, une passe D face au FC Chambly. L'objectif de Metehan dans cette deuxième partie de saison est de jouer quelques matchs titulaires avec les actuels 9e de Ligue 2. C'est vrai qu'il n'a pas encore une fois commencé sur la feuille de match. Et voilà, en espérant qu'il fasse aussi un peu plus de stats, pourquoi pas un but, continuer de faire quelques passes D. L'espoir, Rafik Guitane, a aussi été prêté au Maritimo Funchal, club portugais. Désolé peut-être pour la prononciation, encore une fois. Après un début de saison compliqué où le numéro 7 joue peu, il semble trouver du temps de jeu dans cette fin d'année avec 2 matchs d'affilée en tant que titulaire. S'il réussit à continuer sur cette bonne lancée des derniers matchs et à retrouver la forme, il pourrait normalement s'imposer dans l'équipe du Maritimo. Ce prêt est le moment pour lui de prouver sa valeur après ce gros transfert à Rennes il y a quelques saisons. Et enfin, on finit par Hakim El Mokedem, c'est le dernier Rennais de cette liste. Arrivé libre de Toulouse en 2019, il enchaîne son 2e prêt en national au FC 7 dans le sud de la France. Le milieu offensif commence la saison sur les chapeaux de roue en jouant les 3 premiers matchs. Il impressionne son entraîneur par sa vitesse et ses dribbles fantasques. Malheureusement, une blessure au ménisque le stoppe dans sa progression, une blessure qu'il a déjà eue à Laval l'année dernière. On ne le reverra pas sur les terrains de National d'ici fin janvier. Et en attendant, les Dauphins du FC7 sont 12e de National. Voilà, c'est fini pour ce petit bilan sur les prêts à la mi-saison. On va se retrouver à la fin de la saison pour faire le même concept. En tout cas, je remercie tous les comptes Instagram et les comptes Twitter qui m'ont répondu quand je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des joueurs qu'on leur avait prêtés. En tout cas, je mets tous leurs comptes dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de suivre les résultats et les infos des clubs où sont prêtés nos Rennais. À très vite, sans doute en live. Suivez-moi sur Instagram et Twitter pour savoir mes prochains lives, et je les mettrai aussi évidemment en post sur YouTube. Mais on va revenir très fort. Plein de bonnes choses dans cette fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve en 2021.